L'ange numéro 2, Géliel. Il régit du 26 au 30 mars. Il est l'ange de l'union de nos polarités qui nous permet de comprendre en profondeur le sens de la vie de couple, ainsi que le relationnel pour créer des associations providentielles avec amour et la sagesse. L'ange Géliel nous aide également à transcender les blessures liées au couple. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes: amour, sagesse. Touche la vie de couple et la relation à l'autre. Capacité de concrétiser et de consolider n'importe quelle réalité. Association providentielle. Accorde solidité, tranquillité et fécondité. Accorde la fidélité du conjoint. Règle tout litige et tout conflit. Altruiste, cherche à manifester l'amour partout. Médiateur, conciliateur. Unifie les principes masculins et féminins. Convivialité, vie harmonieuse. Verbe puissant qui inspire le calme. Aide à calmer les révolutions intérieures. Capacité de persuasion, lucidité dans l'analyse théorique. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes: manque d'amour, absence de sagesse, difficulté dans la vie de couple et dans la relation avec les autres, mœurs et comportements pervers, corruption, mauvaise association, conflit perpétuel, querelle, oppression, tyrannie, désaccord, séparation, divorce, problème avec la sexualité et la relation intime. Célibat égoïste, rejette les enfants par égoïsme. Difficulté
à rencontrer un conjoint. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Divorce, lien, union, mariage, médiation, union, lien. Douce pensée angélique.